sympathique manifestation. Cette cérémonie, mais sous le mur, bien sûr, de la convivialité. Et bien sûr, on va d'abord s'exercer à un petit exercice. On va d'abord applaudir très fortement l'établissement qui nous accueille, le Carnivore, si vous le voulez bien. Fédération internationale du tourisme. J'en suis président depuis maintenant 1998, je suis dans mon cinquième mandat. La fédération a été créée par Charles de Gaulle, président de la République française, à sa demande, et c'est Pierre Liotet, neveu du maréchal Liotet, qui a été le premier président de cette fédération. Aujourd'hui, nous sommes dans 58 pays, 180 000 adhérents. Il faut savoir aussi également que le tourisme, c'est 85 métiers répertoriés, qui fait travailler, mesdames et messieurs, sur la planète, les gens ne le savent pas assez, 1 milliard de personnes, un septième de la planète, travaillent pour les métiers du tourisme. Nous sommes très très heureux d'être à Madagascar, car depuis 12 ans que nous venons, de façon entièrement bénévole et à nos frais, je le précise, depuis 12 ans que nous venons sur la Grande Île, nous avons toujours beaucoup de plaisir à promouvoir les professionnels qui sont, comme ce soir, des gens qui œuvrent pour valoriser la destination à travers leur métier. Nous le faisons également avec les artistes, ce qui aura lieu d'ailleurs demain à l'hôtel de Loup, nous leur mettrons 20 médailles d'argent aux artistes, et nous aussi, nous privilégierons aussi également une très grande figure de la gastronomie qui est connue maintenant dans le monde entier et qui est la fierté, les fiertés de Madagascar, notre très très grand chef, et j'insiste là-dessus, Nalena, qui recevra demain exceptionnellement la fourchette d'or. Mais parlons un peu de ce qui nous intéresse ce soir, car c'est avant tout le Carnivore que nous allons honorer. Le Carnivore fête ce soir ses 8 ans. Ça ne nous a pas échappé, il y a derrière vous ce chiffre 8. Et nos amis, la famille Neza, Baptiste et son épouse, et toute l'équipe du restaurant d'ailleurs, sont des gens qui ont voulu créer ici un concept tout à fait novateur qui existe, je crois, à 3 ou 4 exemplaires seulement dans le monde. Ils ont choisi Madagascar pour faire découvrir ce qu'est le carnivore et ce concept de la viande, de la très bonne viande, et Dieu sait qu'à Madagascar, on a toutes les richesses nécessaires dans la gastronomie. Il y a même récemment du caviar qui a été créé à Madagascar. Bravo. Bravo à Madagascar d'avoir pu accueillir 4 sortes d'esturgeons pour ce genre de choses. Il n'est pas gagné au début, mais le zébu, l'agneau, etc., etc., le canard, bien sûr, qui est une institution ici. Et bien tout ça est présenté d'une manière extrêmement novatrice et compétente dans ce restaurant. Et tant que vous n'abaissez pas sur la table le petit drapeau qu'on vous met droit, on vient vous resservir. C'est-à-dire que vous pouvez passer toute votre soirée, si vous avez faim, on n'arrête pas de venir vous servir. C'est impressionnant. Nous avons fait un test l'autre jour. À un moment donné, on avait oublié de dresser le drapeau et il revenait sans arrêt, avec des brochettes immenses, avec des camarots qui font au moins presque 500 grammes de camarots, et ça n'arrêtait pas. Heureusement, nos amis nous ont bien conseillé. Baptiste, qui était là, nous ont bien conseillé aussi. Et on a été parfaitement accueillis en ce restaurant, comme vous le serez tous et toutes, mais pour la plupart, je vous remercie déjà d'être venus ce soir, vous y êtes déjà habitués. Nous avons, il n'y a pas longtemps, présenté au président André, qui était un petit peu occupé dernièrement avec les élections municipales, mais qui est un petit peu, non pas moins maintenant, mais qui a un peu plus de liberté d'agenda, on va dire, d'avoir un rendez-vous avec lui pour lui proposer la fédération, pour lui proposer un protocole d'accord gagnant-gagnant d'investissement étranger pour que Madagascar ait un petit peu de dynamisme touristique. Et d'ailleurs, je remercie Yves d'être parmi nous. Yves, vous le connaissez tous bien mieux que moi, c'est le directeur général de l'administration du tourisme de Madagascar. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs, parce qu'il est venu, il a beaucoup de travail en ce moment. Voilà. C'est un technicien, et je sais que les techniques, vous savez, les ministres passent, Yves reste. Et quelle raison? C'est que c'est un bon au poste là où il est. Voilà. Et la politique est nécessaire, mais l'administration est essentielle. Donc, je voudrais également remercier l'ensemble de nos futurs adhérents. Car notre fédération, bien sûr, comporte 180 000 adhérents qui payent donc leurs cotisations, etc. Et je voudrais appeler, bien sûr, tous les professionnels et les autres à venir rejoindre notre fédération qui, comme toutes les fédérations, propose des avantages, bien entendu à la fois promotionnels, relationnels, mais aussi un lobbying international, vous en doutez bien, en 58 pays, qui peut être gagnant-gagnant pour les investisseurs et autres personnes qui voudraient venir nous rejoindre. Donc la porte est ouverte. Et notre site aussi,
fédérationinternationaldutourisme.com pourra également nous éclairer davantage sur notre fédération. Enfin maintenant, pour terminer, je voudrais vraiment encore féliciter, avant de passer la parole à Yves, monsieur le directeur général, toute cette belle petite famille qui est l'équipe du Carnivore. Car ce n'était pas évident, il y a 8 ans maintenant, de venir s'installer ici. De transformer ce local que les gens connaissaient avant, d'installer ce concept novateur, il fallait que ça séduise, mais je dirais le sérieux, le professionnalisme de nos amis, la volonté aussi, parce que même si c'est un beau pays, monsieur le directeur général, que vous avez, les choses ne sont pas faciles pour nous les Vasas ici, vous le savez bien, mais on est tellement bien accueillis à Madagascar, que ce soit du plus grand au plus petit. Nos amis malgaches méritent qu'on s'intéresse à leur pays et qu'on essaye modestement d'apporter notre contribution à ce tourisme, à cette culture, à ce beau pays, à ce grand pays qu'est Madagascar. Je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Fédération du Tourisme de l'International, les équipes de Carnivore, présidées par Monsieur Petit. Mesdames et Messieurs, on a les invités. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous pour honorer cet événement qui est vraiment très important dans le secteur du tourisme à Madagascar. Monsieur le Président, c'est juste un petit mot parce que vous avez dit tout ce qui est très important. Donc, je peux plus faire trop de discours parce que ce n'est pas un moment de discours aujourd'hui. Mais c'est un moment pour une remise de médaille des équipes de Carnivore. Donc, mon petit mot sont de vous transmettre la volonté du ministère du Tourisme, par l'intermédiaire de la Direction Générale, de soutenir et d'être avec vous pour la promotion Destination Madagascar et afin de développer le secteur tourisme. Donc, nous sommes prêts en toute forme de collaboration avec vous. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention et bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Alors maintenant, honneur aux femmes. Parce que nous les hommes, on sait très bien, mesdames, même moi, président, qu'est-ce que je serais simplement sans mon assistante à Paris, ma femme. Donc, le pouvoir est aux femmes. C'est ce que j'ai dit à Stéphana, d'ailleurs, la directrice du Louvre, il n'y a pas longtemps. Madame, je vous invite à prendre le micro sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci, monsieur le président. Bonsoir à tous. J'ai préparé un petit discours. C'est une occasion pour moi de parler devant vous ici. Donc, voilà. C'est une grande fierté d'être devant vous afin de recevoir cette médaille d'honneur de la Fédération internationale du tourisme qui est présidée par vous, monsieur Jean-Éric Duluc. Cette distinction est un grand honneur qui vient couronner plus de 8 ans de travail et de passion dans ce métier qui n'était pas le nôtre dès le départ. Nous sommes ici parce que nous nous sommes investis de jour en jour et d'année en année. Il y a exactement 8 ans, car aujourd'hui aussi c'est notre anniversaire, et nous avons, avec mon époux, Patty, décidé d'ouvrir ce restaurant il y a 8 ans, afin de lancer cette aventure et ce concept pour Madagascar. Le fait de partir au Kenya et d'en ramener notre chef David, où il est ? Cette distinction honorifique qui nous est remise aujourd'hui à travers le Carnivore, bien sûr, tout, et souligner fortement, mettre en avant le fait qu'à Madagascar aussi, il est possible de recevoir des récompenses internationales décernées par des organisations mondialement connues, qui est la vôtre, monsieur le président.
et aussi de prouver la qualité des produits locaux, notamment la viande que nous avons cessé de promouvoir. Et le plus important, c'est le dernier mot que je vais dire à notre équipe qui était là dès le départ, qui travaille d'arrache-pied au quotidien pour que la qualité soit au rendez-vous et aussi nous prouver au fil du temps votre professionnalisme. Beaucoup d'entre vous étaient là dès le début et d'autres sont arrivés pour intégrer notre team. Donc merci à vous. Maintenant, je vous passe la parole pour remettre... C'est à moi de travailler maintenant, un petit peu, hein. Voilà. Chers amis, alors il y a un protocole, mais je veux dire la phrase, parce que c'est dans les statuts de la fédération pour lequel j'ai été élu et réélu d'ailleurs. Je vais maintenant aller chercher cette médaille d'argent qui est derrière vous, avec un protocole facile, c'est une phrase que je commence à connaître un petit peu, au bout de 21 ans. On va la remettre symboliquement à madame, mais bien sûr, vous le pensez bien, et on va le faire tout à l'heure, mesdames et messieurs, et surtout le personnel, cette médaille est à vous tous, vous le savez bien aussi. Madame Baptiste, Madame Lesa, au nom de la Fédération internationale du tourisme, et après décision de la commission d'édition que j'ai présidée il y a maintenant 3 mois, j'ai l'honneur de vous faire ce soir officiellement, devant le parterre d'invités que vous avez choisi, de prestige, et Monsieur le Directeur Général du Tourisme, médaille d'argent de la gastronomie à Madagascar. Félicitations. Mesdames et messieurs, on peut l'applaudir beaucoup plus fort. Mais ce n'est pas tout à fait terminé. Ce n'est pas encore terminé, mesdames et messieurs. Car vous voyez, là, on a choisi aussi, et ça c'est pour vous tous, le personnel, regardez. Il y a un diplôme qui a été fait. Pour le personnel, la médaille d'argent est à vous tous, donc il y a un diplôme qui a été fait pour tout le personnel. Je précise, nous l'avons fait bien volontiers à la demande de monsieur et madame Néza, vos patrons. Voilà. On peut appliquer cette belle initiative. Alors, oui, mais attendez, il y a quand même Baptiste, si on ne peut pas l'oublier. Hein, c'est pas parce que monsieur est champion de CrossFit. Il faut le savoir aussi. Ah oui, c'est un grand champion. Hein. Là, il a fait une compétition l'autre jour, il était crevé, le pauvre, il était fatigué, mais il est toujours là. Je dis ça parce que tous tes amis le connaissent, donc c'est pour ça. Donc, ça, c'est pour Baptiste. Allez, Baptiste. Regina. N'hésitez pas, vous pouvez l'applaudir encore. Et enfin, on en a parlé du chef, il va venir nous rejoindre. David, chef, venez nous rejoindre. Et comme disait un grand animateur qui avait beaucoup de talent en France, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Le directeur du restaurant qui est là. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous voulez encore les attendre. À moins que vous ayez mal aux mains, je ne sais pas. Hein, vous avez mal aux mains? On va les rappeler aux amis. Allez. Nous fait grandement plaisir. Elle nous fait surtout plaisir parce que nous ne sommes pas les seuls à être récompensés. Il y a aussi notre chef et il y a aussi toutes nos équipes. Car nous travaillons tous ensemble et sans eux et sans tout le monde ici, on ne serait rien et on n'arriverait pas à ce résultat. Donc encore une fois, merci à tous d'être venus. Et aussi, je tiens à remercier toutes les personnes, les invités, mais également tous les journalistes qui sont venus en nombre, qui sont déplacés. Merci à vous, on peut les applaudir également. Parce qu'on les applaudit.
merci à M. Yves, le directeur général du tourisme, qui nous a honoré de sa présence ce soir. Enfin, merci à vous, M. le Président, d'avoir pensé à nous pour cette remise de médaille et également à votre collaborateur, ici présent, Pierre Emmanuel. Merci à tous et maintenant, nous allons passer au parc pour votre présentation.